Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui de Constructeur Simulator 2022. Alors je vais vous dire ce qu'on va faire et ce que j'ai déjà fait. Alors je suis en train de faire un chantier, alors je vais vous montrer ça de suite. Les chantiers, c'est ici. Alors, chantier actif, ouais, alors je voulais montrer, ah non je peux pas. Ah oui, c'est dans les offres alors. Je voulais montrer la campagne, on est ici. J'ai commencé la campagne. Projet prestigieux. Donc, il s'agit de construire un hôtel de luxe. J'ai fait la route d'accès, ici. Elle est faite. Et je vais faire maintenant un complexe hôtelier luxueux. Donc, voilà. Et alors, ensuite, c'est tout ce que je voulais montrer. Ouais. L'hôtel va être ici. Alors, je vais vous dire exactement, vite fait, hop. La route d'accès, elle est ici en fait. Elle est ici. Il y avait à bitumer cette partie-là. Une partie par là. Non, celle-ci, c'était, je crois. Voilà, une petite partie-là qui était à bitumer. Et donc, ça se trouve ici en fait. Hein, ça se trouve là. Là. Enfin, là. Ici, quoi. Hein. Le quartier de la villa, donc c'est pas tout à fait dans le centre-ville, mais c'est pas dans c'est encore plutôt, enfin, bon, le village est-il là plutôt, ouais, enfin bref, donc ensuite, ici, alors, je voulais vous montrer aussi, c'est ça que je voulais vous montrer, entreprise, ici, niveau d'amélioration, je suis donc au niveau d'amélioration M, il y a 5 objectifs à faire. Il y a donc la campagne, 12 engins de construction, 1 million de crédits. Alors 1 million de crédits, j'ai fait 25 ravitaillements en carburant et 25 réparations. Donc la campagne, ça veut dire qu'il faut faire toutes les missions de la même campagne. C'est pour ça que je vais faire le truc hôtelier là, tout le même. Engins de construction, j'en ai 75% parce que j'en ai 8, je crois. 8 ou 9. Il m'en reste 3 ou 4 à prendre. Je vais vous montrer ça. Ravitaillement en carburant, j'en ai 36. Et réparer 20. Après le prêt, je sais pas s'il faut que je le fasse ou pas. Bon, je verrai. Donc voilà. Ensuite, ici je les ai là. Celui-là je l'avais. Alors, celui-là je l'avais. Ici, j'ai acheté une remorque plateau pour mettre des matériaux dessus que j'ai au concessionnaire, je laisse au concessionnaire. Ici, j'ai acheté un bulldozer Liber. J'ai acheté le compacteur, je l'avais déjà. J'ai acheté le camion, un camion, c'est un Scania d'ailleurs, que j'ai acheté. Et j'ai acheté une remorque, une grosse remorque. Pourquoi? Parce qu'il va me la falloir pour transporter des murs préfabriqués. Donc j'ai pris celle-là, comme ça je peux porter les porte-engins en même temps. Et ensuite ici j'ai acheté un tombereau belle et une caterpillar, une pelle caterpillar. Pourquoi? Parce que en fait ce que je vais faire, je vais vous dire exactement ce qu'il y a à faire. Alors c'est ici. Ça se passe. Alors, estimation. Alors, niveau, c'était un. Ah, c'est moyen que j'ai mis. Mais j'aurais dû faire. Bon, j'ai pas pensé. J'ai pas fait gaffe à ça. J'y pense pas. J'ai fait niveau du chantier moyen. J'aurais dû faire. Bon, ça fait rien. Estimation des gains, 1 487 000. Mais j'aurais dû faire élevé. Oh, tant pis. J'aurais plus d'argent. Ça fait rien. Donc, il y a plus d'un million et demi à gagner. C'est bien. Étape de construction, il y a 12 étapes. Et durée, ben, oui, ça va trop long. Hein. Donc, 12 étapes, je vais pas faire en une vidéo. Hein. Je vais faire 3 ou 4 vidéos, je pense. J'ai commencé un petit peu. Hein. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai passé le bulldozer par là, ici, je sais pas où, par là. J'ai passé le bulldozer. Et maintenant, je suis en train. J'ai avec la pelle. J'ai fait une pente, je sais pas quoi, il disait une pente. Qui doit être là la pente, je pense. Ouais, je sais pas exactement, ouais. Je pense. Et j'en fasse une autre ici, en fait. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Alors un petit conseil pour
Pour le niveau M, au début, on commence à niveau S, au début du jeu, je conseille vivement de ne pas acheter de matériel, mais de louer. De louer tout le matériel jusqu'à arriver au niveau M, et puisque au niveau M, on vous demande d'avoir 1 million de crédits pour débloquer. Or, 1 million de crédits, si vous achetez, vous aurez du mal à. Vous aurez le mettre longtemps avant de pouvoir. Avoir 1 million de crédits. Donc je conseille de louer le matériel jusqu'à avoir 1 million de crédits, et puis après cela, vous pouvez acheter. C'est ce que j'ai fait, hein, parce que l'appel le coûte 200 000, celui-ci, je sais plus combien, enfin, tout ce que j'ai acheté, je suis passé à 200 000 maintenant, à peine, hein, sur 1 million. Donc j'avais un peu plus d'un million, je suis passé à 200 000. Donc il faut dire que j'ai fait deux chantiers, un chantier de un parking à faire de 800 000 euros crédits et un autre de 300 000. Donc c'est fait que ça m'a permis de faire un gros chantier. Mais bon voilà, mais c'est un conseil que je. Après, vous faites comme vous voulez, quoi. Mais. Donc voilà, et on est parti. On est parti. On va faire comme ça. Donc c'est parti. Alors, ici, pour l'appel, aussi un petit truc au cas où vous ne le sauriez pas. L'appel, quand on fait comme ça, on fait ça. Alors, on fait pas comme ça, on fait comme ça. Comme ça. Ensuite, ici. On fait avec le joystick, on le met des trucs comme ça, et après avec l'autre, on fait le bras. Pourquoi? Ça permet de prendre le maximum. Parce que sinon, ça marche pas trop. Et donc voilà. Alors je vais commencer. Je suis un peu loin, non? Ouais, fallait peut-être reculer un peu quand même. Je vais reculer un peu, hein, parce que je suis un peu loin quand même. De reste. Wesh. Allez, bon. Je bougerai. Je vais commencer un peu, je ne peux pas tout faire. Parce que ça va être long quand même aussi. Je vous montre un petit peu l'appel quand même. Donc voilà. Arrête de bouger, toi. Ça aussi, ça déconne un peu. Donc voilà. Parce que si vous faites comme ça, bon, vous pouvez remarquer. Mais non, voilà, on peut pas. C'est un peu, voyons. Un peu, oh, c'est un peu quand même. Enfin, ça dépend du moment. Oui, si on fait comme ça. Ouais, si on fait comme ça, voilà. Si on fait comme ça, on n'en cherche pas assez. Donc il est conseillé de faire comme je dis. Peut-être un peu plus quand même. Faire comme ça. Bon là, il n'y a plus rien. Voilà, ouais, fait encore, c'est pas toujours évident, hein. Après, je vais en faire un de plus. Oh, je peux rien, c'est chier.
Ah, tant pis. Ah, purée, à côté, ouais, tant pis. Je vous montre un truc aussi. En fait, on est censé aller vider, on peut aller vider si on veut. À la carrière. Pour aller chercher, mince. Pour aller chercher, on peut aller vider ça à la carrière pour faire mettre l'argent. Et quand on va aller à la carrière chercher du matériel, tout ça, on peut faire. Mais je trouve rien mieux, moi, à faire. Alors je sais pas sur là au début, hein, mais je sais que je l'ai maintenant. Donc il suffit de faire comme ça. On fait ici remplir. Et on fait ici vider. Et c'est vidé. Et on va s'arrêter. Ça évite. Alors je sais pas si, si c'est le même tarif. Mais je sais pas. Après, si on veut remplir la veine, ça marche à toutes les veines en fait. Hein. Bon, tu vas y arriver ou pas? Alors, il suffit, on peut prendre du gravier, je sais pas si tu l'as montré déjà ça. Du gravier, du sable ou de la terre directement sans aller à la carrière, à la gravière. Par contre, c'est peut-être un peu plus cher à remplir, je sais pas. Mais ça évite de. Au moins, ça évite le truc quoi. D'aller. On gagne du temps quoi. C'est peut-être un peu plus cher, mais on gagne du temps. Donc et le temps c'est de l'argent. Donc merde, ouais. Alors on peut faire comme ça. On peut faire comme ça aussi, hein. Alors ici, oui. Ouais, on n'arrive pas à tout prendre hein, quand même. Hein. Par moment, ouais, mais. On peut faire comme ça si on veut. Bon, je vais peut-être reculer un peu, hein. Je crois que j'ai touché le camion, non? Ah ouais, je pense. Donc voilà. Ah, je suis un peu rien du tout comme ça. Hein. Ah, je pense que c'est les bouts aussi, hein. C'est les bords. Ouais. Ah! Qu'est-ce que je fais? Alors, je sais pas s'il faut le mettre, si on peut le mettre, moi je le mets dans un camion, hein. Ça évite comme ça au moins j'ai un peu d'argent, mais je sais pas si on peut le mettre de par côté, mais bon, pour éviter le truc, bon, je fais comme ça. Ouais bon, ça fait rien, allez go. Mais par contre ça prend pas du tout, hein. Je comprends pas pourquoi. Après. Pourtant non, le godet je crois que j'ai tout mis quand même. Je crois que les améliorations. Niveau d'amélioration. Non, c'est pas ça, c'est là. Compétence. Ouais. Capacité du godet, donc je suis à 3, donc je suis au maximum. Une pelle en godet. Vous faites preuve d'un certain talent. C'est une compétence. Ouais, mais je suis au maximum. Je sais pas. Bon, je vais faire comme de l'autre côté, de toute façon. Hein. C'est chiant, de toute façon. Ah, y a rien à faire, ça ne peut pas prendre. Hein. Oh, ça prend rien du tout. Alors, des fois, ça prend, et puis des fois, non. Oh, oh. Mais je commence à être pour y voir déjà. Ah ouais. Je sais combien là? 16. Bon, je vais en faire un peu, mais bon, comme c'est long quand même. Hein. Donc je vais pas tout vous montrer là, parce que. Alors déjà, j'arrive à en prendre en plus. Ah purée, c'est pas vrai. Là, je suis au maximum là.
Je peux le pousser le camion ou pas? Non. Je peux bien pousser le camion, mais on peut pas. Bon. Donc voilà. Ouais, mais je commence à plus rien y voir. Hein. Pourtant, il fait jour quand même, non? Bah ouais. Bon. Eh, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis bloqué. Je suis bloqué par le camion. Ouais, alors là, je vais bouger, de ça. Ouais, parce que je veux pas faire que du godet quand même. Alors, merde, c'est par là. Je suis loin là, voyons. Ouais, c'est pas grave. Ah, purée, où tu vas? Là, je vais en prendre l'action. Hein. Ou quoi? Ah oui, je suis à fond. Ah oui, je suis à fond. Bon, voilà, vous voyez le principe. Je vais. Parce que là, c'est quand même un chantier assez long à faire. Donc, je suis quand même 24. Je vais finir en off là. Je vais vous montrer, je vais passer à autre chose, je vais vous montrer autre chose quand même. Je vous remontrerai l'appel une autre fois et le bulldozer aussi. Là, je vous montre un peu comme ça. Et ouais, ce que je vais faire. Allez, hop. On va passer quand ça sera fini. On va faire comme ça. Surtout il commence à. La nuit commence à arriver. On va se retrouver quand j'aurai fini. Ah, ok, on va faire comme ça. Bon, voilà. J'ai fini. J'ai fini l'appel. Donc, je vais là-bas. Donc, ici, voilà. Il faut maintenant que. Alors, je vous montre ce qu'il faut faire. Il faut mettre du gravier ici. Là. Il faudra le compacter après. Donc, voilà. Et ici, en fait, il y avait deux rampes à mettre, à faire. En fait, les deux rampes, il y en a une ici. Et l'autre là. Et je vais mettre du gravier avec. Alors j'ai mis le avec le tombereau. J'ai mis la pelle sur le là parce qu'en plus il a fallu que je fasse que j'aille faire du jus à la station service. Ouais, ben j'y suis allé avec ça là, avec le camion, mais j'étais obligé de le charger, je pouvais pas avancer. Alors, je pense même qu'on peut y aller directement en fait. Hein. Il suffit de rentrer dans la pelle. Et de faire de prendre une station service et de faire les voyages rapides. Ça coûte de l'argent, mais tant pis, il n'y a pas le choix. On ne peut pas y aller sur la route. Ou alors il faut l'avancer le plus près possible, la décharger. Parce que vous pouvez pas faire du plein directement dessus. En plus, alors, c'est un peu chiant quoi, le truc. Donc voilà, alors ici je vais reculer. Alors on commence à faire nuit de nouveau. Hein. Rien. Alors, je vais faire comme ça. Parce que je vais pas aller à la gravière, hein. Alors on commence à faire nuit, bon. Je vais pas aller à la gravière, par contre je vois rien par contre. Je vais pas aller à la gravière, parce que je vais faire comme je vous ai dit, je vais faire directement.
Alors, déjà, on va faire comme ça. Remplir. Donc, il faut du gravier. Un livret, remplis-toi de gravier. Gravier. 19 000, hein, ouais. Bon. Gravier. Donc, voilà, je vais pas m'embêter, moi, je fais comme ça. Hein. C'est pas grave. Alors, par contre, je vais mettre du gravier. Ben là. Je vais commencer là d'abord. Alors, si je fais comme ça, non. Hop, il faut faire ça. Alors, je vais essayer. Ah, purée. Ouais, à peu près quoi. 33. Ouais, je vais voir. Ok. Gravier. Donc gravier. Allez! Ah, purée, hein, c'est pas vrai. Où il est? Eh bien, mais tu marches plus maintenant, quoi. Eh bien. Ah, que c'est chiant, ce truc, là. Bon, par contre, c'est pas très pratique. Bon, je mets ça n'importe comment. Hein. Voilà, go. Le camion bien, c'est mieux pour ça, mais ça fait rien. Ouais, je vois rien. Allez, c'est bon. Ça aussi, c'est chiant. Bon, je vais ici comme ça alors. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai mis n'importe comment, mais ça fait. Et après, on fait ça, vider.
Elle est remboursée. Donc voilà. Ouais, c'est mis un peu n'importe comment, mais ça fait. Hein. Allez, go. Il faut compacter maintenant. Voilà. Ok. Il faut compacter le gravier. D'accord. Ok. Là, on est dans le terrassement, dans les fondations. Enfin, dans le terrassement encore. Hein. Voilà. Allez, go. Ensuite, on va compacter. Où est-ce que j'ai la machine? Là. Compactage on-off, non? Ouais, non, c'est tout. Bon. L'autre, pareil, je vais faire une petite pause parce que le compactage, ouais, c'est pas le plus mandant à faire, hein, de ça. Oh, je vais faire comme ça, hein. Je ne m'embête pas. C'est 57. Ouais, ça va plus te faire, oui, finalement, en fait.
Vous inquiétez pas, vous manquerez rien. Hein. Je vais à peu près au refaire. Je ne vous ai pas montré le terrassement avec le bulldozer, mais j'essaie de vous montrer. Bon, c'est fini. Vous avez avancé dans votre niveau et avez reçu un peu de compétences. D'accord. Ok, dégagez la zone. C'est fait. D'accord. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a de beau à faire hein, maintenant? Ah oui, il faut que je dégage. Bon, mais je vais faire comme ça. Hein. Mince. Pas ça. Je vais faire comme ça, ça va aller plus vite. Voilà. Ok. Alors, ensuite. Qu'est-ce qu'il dit là? Voilà, je suis au milieu de la route là. Ouais, mais je fais rien. Je vais me rester là. Ouais, ça va rester là pour l'instant. Alors, il dit quoi? Et à quoi ça ressemble? Ah oui. Oula! Je suis tombé dans un truc. D'accord. Ok. Et la grue, elle va être où alors? Parce qu'il y a une grue à mettre quelque part. Je sais pas où. Là-bas peut-être alors. Ah oui, là-bas, je pense. Ouais, je pense que la grue va être ici, je pense. Il n'y a pas de truc encore marqué. Non. Ah non, la grue va être ici, en fait. Ouais, la grue va être ici. Ah d'accord. Zone de la grue. Ok. Il faut que je l'achète la grue. Ouais. 673 000. Livrer les matériaux de construction. Palette de bois. Palette de pare vapeur. Treillis d'armature. Ok. On va se retrouver après. Hein. Je vais mettre ça là-bas. Je vais pas vous montrer ça. Je vais pas montrer. Voilà, j'ai pas peine. Ça, ouais, je vois ce que c'est déjà. Ici, je vais mettre la grue. De suite. Il faut que je l'achète peut-être, non? Je l'ai pas acheté. Concessionnaire, ouais. Je vais l'acheter. Alors je vais prendre 673 000. Je sais pas si celle-ci est à 256. Le problème, je sais pas si pour l'instant. remarque que j'ai peur quand même que si c'est un grand un hôtel, ça risque d'être grand. Je vais prendre celui-là alors. Hein. Ouais. De toute façon, 175 000, 97, ouais, je vais prendre celui-là, on verra après, hein, de toute façon. Le seul, il me les faudra, de toute façon. Alors, acheter, ouais, j'ai acheté. Hop. J'ai de l'argent, de toute façon. Alors, zone de la grue, alors je fais comme ça, zone de la grue, je l'installe. Hop, la zone est bloquée, ouais, c'est normal, c'est moi qui suis dessus. C'est pour ça. Installer. Voilà, elle est là. Elle est très grande, hein, je sais pas si. Très haute, je veux dire. Ah ouais, elle est haute. Mais j'ai peur que l'immeuble soit très grand. Hein. C'est un hôtel de luxe, il est là, d'être grand. Donc j'ai pris celle-là. J'espère que j'en ai assez pour aller jusque là-bas. Ouais, parce que ça va être juste peut-être. Hein. Voyons. Où c'est que je suis là? Oh oui, ça va aller. Je pense que le chariot va jusque là-bas. Bon, je verrai de toute façon. Ouais. Ok, on va faire comme ça. Ouais, je préfère prendre celle-là, on verra. Je vais prendre le camion. Alors, je sais pas du tout s'il me faut le truc ou pas. Ou le petit camion. Papapoum, papapoum. Ça donne quoi? Il me faut 4 trucs là. Alors, ce que je vais faire, ouais, je vais regarder. Je vais faire ça en off. Je vais aller chercher ça. Et après, je les mettrai avec la grue. Donc, je vous montrerai un peu la grue. Bon voilà. Alors je suis allé chercher. Enfin, je suis pas allé chercher en fait. Je les ai. Alors, j'ai fait directement par ici en fait. Je suis allé le chercher ici. Je suis pas allé chercher en fait. Je suis rentré. Je suis allé les chercher comme ça. Et après quand je suis payé, j'ai fait directement livrer site de construction. Et j'ai payé les coûts de livraison, mais ça fait rien. Donc il me les a mis là-bas, au fond. Et donc je vais les récupérer maintenant. Donc voilà, on va faire ça. Alors on peut faire à l'intérieur, mais honnêtement, on voit pas grand chose. Hein. Oui.
Je sais pas comment puis-je voir même. Donc on va pas faire comme ça, parce qu'on voit que dalle. Alors. Alors. Alors on va faire un peu de grue maintenant. Il y a une grue, il y a du bitelage, mais bon, je vais commencer, puis on verra. Je vais commencer par quoi? Par ça, pareil. Ça doit être le grand, là, ouais. Ouais, non, pas comme ça. Heureusement que c'est pas fragile, un truc, parce que dis donc. Où tu vas? Jeannot. Je sais pas où tu vas, mais tu y vas. Mais voilà, c'est chiant. Pas par là, pas par là où tu vas. Ah là là, où tu vas comme ça. C'est en lumière. Donc c'est que je suis là, on va faire comme ça, hein. Je sais pas où est la grue là, je vois pas le truc, on va faire comme ça. Il y aura un petit facilement peut-être. Ouais, on va faire comme ça, hein. On va commencer, puis après on verra. Je vous montrerai au fur et à mesure maintenant. Il y a du travail de grue maintenant. Il va y avoir du béton à mettre. On va jouer avec la caméra parce que je vois que. Je veux l'autre. Là. Raté. Ok. Le dernier, enfin le dernier, j'en ai d'autres à mettre, mais étape par étape, on va faire. Hein. Ok. Ben voilà, couler la dalle de béton. Donc il faut que j'aille chercher du béton. Alors oui, je comprends maintenant. Couler la dalle de béton. Ah, il y a des chaînes de dalle ou quoi? Alors je vais mettre la grue. Je vais monter le truc. Ouais, bon, bref. Allez, go. Ouais. J'ai pris celle-là, je sais pas, on va voir. C'est mieux. Couler la dalle de béton, ce qui reste ici en fait, hein. C'est ça. Bon, je suis à 40 minutes, je crois que je vais arrêter là. Je vous montrerai ça la prochaine fois. On fera ça ensemble la prochaine fois. Allez, attention.
Hop là! Elle a raté. La dalle de béton, ben, c'est la suite de ça en fait. La dalle de béton, il y a la boîte de mise. Et la prochaine, ben, ça va être ça à mettre. Voilà. Donc là, il y a le treillis métallique, il y a le pare-feu, le pare-vapeur, je veux dire, au fond, je pense. Et quoi, du bois? Ah, le bois, c'est ça, en fait. Le bois, c'est autour. Ah, ok. Donc voilà. Et donc là, cette partie, c'est faite de béton. Et on va mettre l'autre, mais ça, on fera ça la prochaine fois. Ouais. J'en ai assez fait, de toute façon. Donc voilà. Alors il faut que je prenne la pompe à béton. Il faudra que je fasse mes deux là, hein, en fait. Hein. Je vais me mettre ici le cul avec la pompe à béton. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non. Là je peux pas passer là. Non. Ah, si. Elle est montée. Donc voilà, je vais mettre la grue là, ou là, je sais pas. Je vais mettre le cul avec le malaxeur. Alors je vais voir, je vais peut-être louer parce que je suis combien? Oh, 400 000. 400 000, bon, je vais voir. Couler la dalle de fondation, voilà, on va s'en faire la prochaine fois, et voilà. Donc, on va se retrouver dans 3 jours pour la suite des aventures de l'hôtel de luxe. Ça commence à prendre forme, lentement, mais sûrement. J'ai quand même encore. Je suis à dalle de fondation. Je sais pas où j'en suis, mais j'en suis là. Dalle fondation. Livraison de matériaux. Mur en béton coulé sur place. Ah oui, il faudrait que j'aille chercher les... Là. Non, mur en béton coulé. Ah oui, non, mur en béton coulé sur place, d'accord. Cage d'ascenseur, oui, parce que c'est un hôtel à plusieurs trucs. C'est pour ça que j'ai pris cette rue-là. Là, il me montre un montage rapide, mais il mettait celle-là aussi, hein. Et j'ai peur que. Ouais, j'ai préféré prendre celle-là, elle est plus haute. Construction du plafond. C'est pas fini encore. Hein. Construction du plafond. Bétonnage, tout ça, il y a du béton à mettre encore. Le rez-de-chaussée. Alors, il y a un mur, des murs préfabriqués à aller chercher. Alors, les murs préfabriqués, il faut prendre ça comme véhicule, comme remorque. C'est pour ça que j'ai les prises, parce que c'est un gros machin. Cage d'ascenseur de nouveau. Construction du plafond. Le plafond. Bétonnage. Niveau supérieur, il y a encore un niveau supérieur à faire. Des murs préfabriqués de nouveau, cage d'ascenseur, construction du plafond, niveau supérieur, il y a 2 niveaux. Oh, je sais pas, enfin, cage d'ascenseur, dernier étage, construction du toit. Encore des murs préfabriqués, il y en a un paquet. Hein. Et après la fin, ouais, débriefing. Après le toit, ouais, d'accord. Ok, il y a quoi le boulot encore, hein? Je peux vous dire. Mais voilà, bon, je ferai ça la prochaine fois, hein? On va voir. Hein? Comme je vous ai dit, on va faire plusieurs vidéos. Je vais me mettre en place, et je vais chercher le malaxeur et la pompe. Je sais pas, je vais voir si je l'achète ou pas, ou la louer. C'est pareil, le béton, il n'y a pas besoin d'aller à la gravière, on le fait directement, mais on ne mette pas au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà, donc comme je vous dis, je vais vous dire à dans 3 jours pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Au Wiedersehen, je voulais dire.